Hey hey hey! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Isaac Afterbirth, motherfuckers! Super début! Et pour cet épisode très spécial, qui n'a en fait rien de spécial, on va faire un grid mode, parce que je crois que je l'avais dit dans le précédent. Tiens d'ailleurs, entre normal et grid, vous voyez qu'il y a une différence, hein, c'est subtil, mais ça y est. Et puis ben, on va le faire en random. Allez hop, donne-moi pas The Lost. Maggie en grid mode. Bah écoute, pourquoi pas. Attends, je vais donner la seed avant d'aller voir l'item. Voilà. Donc Maggie, c'est intéressant parce que le Yum Heart est pas mauvais en grid mode. Ouh. Speedball, c'est très très cool. Speed up avec Maggie, c'est toujours bien de toute façon. Pas terrible tout ça, dis donc. On va aller là-dedans. Ouais. Bon. Bah on va le prendre, hein, du coup. Tant qu'à faire. Ça s'est transformé en coffre à pic, ça. Ah, c'est dégueulasse. Ok, bon, bah on va aller commencer le délire. Hein, sachant qu'il va nous falloir une clé, quand même. À un moment. Et que je me suis déjà pris un coup comme une merde. Oui, j'ai vu, c'est bon, hein. Deux même. Putain. Je suis pas prêt. J'étais pas prêt du tout. Alors, hop. Ouah. Allez mec, mais c'est basement. Pourquoi c'est toujours autant le bordel là tout à coup? What the fuck? Sa race. Vas-y, c'est violent pour basement là. Enfin, je sais que le principe c'est d'arrêter les vagues quand c'est trop violent, mais. Mais non! Heureusement que j'ai le Yum. Ah putain! Et encore. Le problème c'est lui là. C'est lui qui fait chier. Non, en fait, le problème c'est tout ce bordel quoi. La vache! Le problème c'est que j'ai pas eu vraiment d'item non plus pour m'aider là-dedans. À part bien sûr le Yum Heart qui m'a sauvé la vie, je pense, à ce stade. C'était pas fini encore! Oh là là! Trop de mouches quoi! Too much flies! 7,8 sur 10. Eh merde, oh là là, je vais crever? Non! Quand même pas! Oh putain! Attends, concentration là. Ah mais il y a un spawner de mouches en fait. Enfin, il y a des spawners de mouches. Puis y'a ces connards là. Attends, je suis en mode sérieux là, 2 secondes. Allez, il reste plus que ça normalement, non? Non, il reste encore un truc. Voilà, lui. Pff, la vache. Ok, alors. On va prendre la clé dans un premier temps. Pour voir si l'item peut nous sauver, parce que là... Bon, number one, c'est pas dégueulasse, honnêtement. C'est plutôt pas mal, même. Par contre, du coup, on va prendre des cœurs, parce que là, sinon j'ai mer, hein. Ouais. On va même en prendre encore un, tu sais quoi. Et honnêtement, on va même prendre un cœur gris, parce que... Voilà. Ok. Allez, le boss. Il est en bas. C'est Dingle. Du coup, ça devrait aller. Voilà, parfait. Putain, mais j'ai un karma négatif, mais je vous explique même pas. À chaque fois que je dis un truc, je m'en prends une dans la gueule, quoi. C'est... Ou alors je suis juste mauvais, c'est tout. Ah! Enfin, je suis mauvais et en plus j'ai un karma de merde. Regardez-moi ça! Espèce de grosse merde! Donnez-moi Brimstone pour compenser, putain. Si j'arrive au deal. Oh putain, ok. Monstro se rajoute au délire. Je reviens quand même en buter un d'abord. Oh là là. Genre Dingle au hasard. Hein. J'aimerais bien. Eh merde, j'aimerais bien que tu meurs. Voilà, parfait. Putain, tu peux spawner ça. Oh là là, mais. Ah. Oh là là, mais quelle horreur. Attends, on va buter les petites merdes. Parce que ça peut être la mort à la con, quoi. Ouah. Putain, vas-y, je te pisse dessus, quoi. Putain, mais monstro, quoi.
D'où j'ai des difficultés à basement, quoi. Je pensais vraiment pas. Ouah. Non, 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 non. Putain, flippé, quoi, de monstro. Mais où c'est que t'as vu ça, quoi? Ouah, ça rase. Putain. Désolé d'être vulgaire, mais putain, quoi. Ça coûte cher aux pièces, hein, cet étage, dis donc. Juste pour survivre, quoi. Et je veux le deal, parce que là... Là, il me faut du damage, quoi. Surtout si j'ai pin, ça va, quoi. Le plus chiant, c'est même pas pin, c'est ce qu'il y a autour, quoi. Donc, ça va. Ce pin lui-même, c'est bon, quoi. C'est easy, quoi. Allez, ben il reste plus que lui, de toute façon. Du coup, ça va être bien. Et ça, pour le deal, c'est génial. J'ai peut-être acheté des cœurs pour rien, mais c'est pas grave. On va aller voir contre quoi on peut les échanger. Alors, ouais, certes. J'hésite en fait, là. Je sais pas trop si ça vaut le coup. En grid, c'est un peu risqué quand même. Seule remarque, je vais avoir un item après. Oh, vous savez quoi, hein, franchement, vous me connaissez maintenant. YOLO! Donc Dead Cat, le machin pour tirer à travers là. Oh putain. Ne pas crever dans cette salle surtout. Non, remarque, ce qui est bien, c'est la combo entre Maggie et la Leech en fait. J'aurais dû prendre que la Leech. Mais bon, c'est pas grave. Allez hop, on direction Caves avec zéro pièce, hein. Normal pour un grid mode, hein. Non mais pff, c'est nimple là, c'est complètement nimple. Donnez-moi des cœurs. Bon, Tears Up, c'est pas mal non plus, hein. Ah, ou Range Up. Ouais, plutôt range up même en fait, hein. Ah ouais, là c'est cool, ok. Ce tears up, honnêtement, là, pas trop besoin, quoi. Y'a le halo. Et il me le faut, y'a une machine. Y'a aussi des trucs et des machins. Si je vais dans la curse room, je meurs, donc c'est pas terrible pour l'instant. Ok, bon, bah on va essayer d'avoir 15 pièces, hein. Allez les mecs, à l'attaque. La leech, s'il te plaît, tu peux faire des trucs aussi, hein. Voilà. Alors la leech, ça peut être très bien, comme ça peut être un peu trop surprenant des fois, mais bon. Non, ça c'est la mienne. Voilà, comme là par exemple. Il faut faire très gaffe aux trucs qui explosent parce que j'ai qu'un seul cœur moi. Putain, je suis mal placé. Ça va, c'est bon. En plus, il y a la leech qui fait le ménage, hein. C'est bien, c'est cool, hein. Ça peut aussi me sauver éventuellement parce qu'à chaque fois que la leech. Je vais vous expliquer, hein. Chaque fois que la leech tue un ennemi elle-même, ça vous heal. Donc voilà, hein, petite explication. Voilà pourquoi cet item est super bon. Donc ça peut éventuellement me sauver la vie une fois. Remarque, j'ai toujours le Yum Heart pour me sauver moi-même, c'est vrai. Putain, toi, va chier. Ok, des grosses trucs, chauve-souris. Des fat bats. C'est leur nom officiel en plus. Allez, crève. Ça c'est des fat... tout court. C'est des fatties. Oh putain, non, non. Oh merde, ok. Surtout ne pas mourir, putain. En plus c'est la dernière vague. Donc on va éviter de faire le con quand même, hein. Voilà. Et des pièces, j'en ai 18, ok. Donc ce qu'on va faire, évidemment, prendre le halo. Ça va tout de suite mieux. Parce que damage up, speed up... Tears up, range up, hein, quand même. C'est ça que ça fait le halo. Et puis il y a HP up. Du coup, on va carrément aller là-dedans. Un lit, d'accord. Je m'attendais à mieux, pour être franc. Pas grave, on va l'utiliser, écoutez. Hein. Tant pis, hein. Ça me rend mon demi-cœur que j'ai perdu pour y aller. C'est cool, hein. Bon, bah, on va faire le boss pour avoir une clé. Oh putain. C'est qui le boss? C'est juste ça le boss? Sérieux? Mais lol. Ça c'était facile par contre. Donc c'est cool. Bon, remarque, ouais, c'est vrai que ce deuxième boss il est plutôt pute quand même. Wow. Voilà, parce que lui quand il se divise c'est en larve, hein, donc enfin là c'était facile pour le coup. J'en ai moins chié dans Caves que dans Basement, quoi. Dingue. Juste aller voir ce qu'il y a dans la salle en bas, des fois que... Non, y'a rien. Pas des pièces là-dedans? Ah! Mmh.
Ça peut tout changer. Donc déjà, on va acheter une clé. Avec laquelle on va aller dans l'item room. Item room qui contient une mouche. Forever alone. Ok. Ensuite, la vague du deal. Ah ben, c'est double pin, hein, donc il n'y a aucun problème. Ah, merde. Vous voyez? Dès que je l'ouvre, hein, c'est fou. Les crèves, voilà. Alors, brimstone ou pas brimstone? Eh ben, pas brimstone du tout. Mais deux cœurs noirs, c'est pas mal, en fin de compte. Hein. Pas si mal, pas si mal. Et là, ben, je crois qu'il n'y avait plus rien. Donc, en fait, on va descendre. Hein. On va descendre direction Depths. Alors, j'ai pas de clé, mais c'est pas grave. Ouh! Damage up, speed up, c'est parfaitement ce qu'il faut à Maggie, tout ça. Ouh, bien. Petit cœur gris gratuit, ça c'est pas facile à dire. Et la clé en solde, tant qu'à faire. Hein. Ça peut être pas mal tout ça, dis donc. Binky, plutôt cool. Alors, si je le fais, je pense que j'ai perdu. Si je le fais pas, vous allez être déçus, non? Je sais pas. On va attendre, hein, vous savez quoi? On va d'abord faire l'étage, en fait. Hein. C'est pas si con. Oh putain. D'accord. Ça commence bien. Ah putain, il a pété un crâne en plus. Ok, c'est bon. Pfff. Non, 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 mais toi tu meurs, hein, c'est tout. Hein. Voilà, c'est... ok, faut vite buter cela avant. Et la larve, voilà, comme ça, ça bute aussi les crânes. Fantastique, n'est-ce pas? Ok. Allez, crève. Ouah. Non mais vous, voilà, vous, vous crevez, c'est tout. Vous mettez tous en ligne, vous crevez un après l'autre. Ensuite, il faut encore buter tout avant la prochaine vague. Comme ça, les crânes, ils meurent. Ça serait cool. Merde. Ok, j'étais mal placé. C'est ma faute un peu. C'est un peu de la faute du jeu, hein. Bon. Alors j'ai combien de pièces? J'en ai 22. Pour 22 déjà, on va en acheter une clé et on va l'utiliser. Ah merde, c'était déjà fait ça. Bah oui, c'est pas grave. De toute façon, il va m'en falloir une autre de clé, donc... Alors BFF ou Binky, du coup BFF avec la Leech, c'est intéressant, non? C'est d'un côté Binky, quoi. Enfin, remarque, niveau tir zep, pour l'instant ça va, mais... Enfin, je suis très bien, même, hein, mais... Ouais, puis merde. Ouais, on sent pas trop de différence, mais c'est pas grave. Alors, Super Lust en boss, hein, c'est plutôt un cadeau, je dirais, ça. Parce qu'elle est bidon! Suivi de double Lucky! Aussi connu sous le nom de Lucky. What la vache. Non, remarque, il faudrait que je me focalise sur un. Merde, je sais plus lequel c'était. C'était la moitié droite ou la moitié gauche. Ouah. Ok, bon bah maintenant il reste plus qu'une moitié. Wouah, la vache. Ok, c'est bon, ça passe. Ah putain, merde. Bon, enfin, sinon c'est Lucky, je veux dire. Pas trop compliqué, quoi. Hein. Franchement. Ah, vous voyez, cette fois, je me suis pas pris un coup. qu'est-ce qui reste là-dedans? Ouais, en fait, y a pas grand-chose de terrible, terrible. Ah, y a la Curse Room. Ouais, donc... enfin, il y avait une pièce. Je crois que j'ai eu une pièce. Donc ouais, pourquoi pas. Ok, bon, bah, on va aller faire la vague du deal. Et la vague du deal, c'est le putain d'ange blanc. C'est un peu pute, quand même. Parce que l'ange blanc, bon, c'est pas le rouge, ça va. Mais c'est pute. Enfin, remarque, ça va, en fait. Enfin, je crois qu'il peut tirer horizontalement, quand même.
Mais je sais pas s'il peut tirer derrière, donc ça c'est plutôt avantageux. Puis de toute façon il est bientôt mort, donc voilà, ça c'est fait. Donne-moi Brimstone. Et non, c'est pas Brimstone du tout. C'est tout l'inverse. C'est Krampus, évidemment. Bon, enfin, ça c'est fait. Hein. Du coup, je me dis que ça peut être pas mal en fait d'utiliser ça. Plutôt que le Yum Heart qui sert plus à grand chose là. Ok, bon, bah on va descendre. Direction Utero. Après avoir buté ces deux petites merdes. Voilà. J'ai pas eu une seule bombe de tout le run. Enfin, j'aurais pu en acheter, mais. J'ai pas eu l'occasion quoi, de vraiment. J'ai pas eu beaucoup de pièces, mais ça c'est à cause de Basement aussi quoi. Speed up, bah non. Et ça c'est de la merde. Kane's Other Eye. C'est un œil qui tire comme ça mais qui bouge tout seul, c'est de la grosse daube quoi. Des merdes. Yay! Mais des grosses merdes, oui. Il y a le D4, hein. Je l'ai vu. Et franchement, j'avoue que ça me tente pas mal, parce que bon, hein. On est dans le YOLO, quoi, disons. Bon. Commençons. Oh putain, c'est quoi, même? Crevez tous. Bande de trous du cul de sa race. Oh la vache! Toi, tu meurs. Alors, c'est quoi qui a spawn? Oh putain, des yeux! Non! Putain! Arrêtez de me toucher tous! Ouais, toi, tu meurs! Voilà, parfait! Toi! Putain, merde! Oui, j'ai gébé! J'ai pas compris comment il m'a pas. Enfin, voilà quoi! Oh la vache! C'est un peu pute là, Utero là quand même! Oh la vache! Enfin, le problème c'est. C'est les crânes, ils sont chiants, putain. Bon, attends, ça, toi, tu, voilà, toi, tu meurs. Peut-être un petit peu vite fait, le truc, là. Un petit peu pas réfléchi, putain de merde. Oh, la vache, mais c'est horrible. Pfff, putain, ce run, il est chaud. Enfin, il est chaud, surtout, parce que je commence avec Maggie, quoi. Je veux dire, si j'avais vraiment du damage, là... Ça changerait, parce que bon, j'ai mon seul damage up, c'est le halo, quoi. Alors quoi que j'en ai eu un autre après, mais c'est tout, quoi, c'est pas énorme. Bon, d'un autre côté, c'est la dernière vague, hein. J'ai quand même résisté, ça va. Putain, mais à chaque fois! Quoi, c'est le karma de merde, quoi. Pourquoi? Non, je t'ai rien fait, putain de karma, quoi. Ah, il en reste une. Voilà. Alors, 31 pièces. Alors, 31 pièces, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire D4, j'en ai rien à foutre. Alors, est-ce que c'est drôle? Alors, je suis très très lent. Ah d'accord, j'ai Monstrous Lung. C'est quoi ce délire? Mes tirs sont différentes à chaque fois, ou bien... Ah, mais ouais, en fait, j'ai le tri de leur build, d'accord. Ça me plaît, ça. Alors attends, qu'est-ce que j'ai eu spécifiquement là? Je regarde juste, hein, 2 secondes, $3 bill, ouais. Ah, j'ai eu le quarter, tiens. Ok, j'ai eu la relique aussi, ça peut être pas mal. Ok, bah du coup je vais... je vais acheter ça. Oui, I've mine. Oh! D'accord, bah je suis Lord of the Flies du coup, c'est bien. C'est génial même. On va acheter le Funny Pack aussi parce que c'est vraiment cool. Ok, donc je suis Lord of the Flies. Maintenant les mouches, je ne crains absolument rien des mouches, voilà. Il n'y avait pas le soy milk là-dedans, non, c'était à l'étage d'avant, hein, tant pis, c'est pas grave. Allez, hop, le boss. Le boss, donc, c'est War. Et là, par contre, je fais des dégâts, hein, bizarrement. Hein. Je fais des super dégâts, même, en fait, j'aime bien, là. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Hein, peut-être pas, finalement. Peut-être pas tant que ça, par contre je tire très lentement, ça c'est un peu chiant quand même. Ouh la vache. Et puis c'est dangereux surtout. Alors, la question après c'est, j'ai toujours le D4, hein. Est-ce que je garde le run? Ça c'est la question à 8 milliards de dollars. Parce que je sais pas, c'est... C'est pas le meilleur truc, ouh la vache. Puis en plus il y a ça qui peut me tuer moi-même. C'est très dangereux quoi.
Oh putain. Non. Ouais, je crois qu'on va... On va... on va... Il faut, là. On va changer de run, parce que ça va pas, quoi. Enfin, dès qu'on peut, hein. Évidemment. Ça t'est arrivé quoi, là? Il y avait pas une batterie? Non, hein. Évidemment, putain. Ce qu'on va faire, c'est prendre un cœur pour survivre un peu. Starter deck, ça va pas trop m'aider non plus. Est-ce que ça c'est chargé? Non. Bon, bah on va essayer de faire la vague du deal, écoute. Hein. En plus, il y a des merdes rouges là, c'est tellement pas pratique. Quoique, non, attends, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ah bah voilà. Ok, vague du deal, c'est. Putain de merde hein. Enfin, ça résume bien aussi le boss. Oh la vache. Si seulement j'avais de la range en fait, c'est ça mon gros problème là. Je dois vraiment approcher l'ennemi pour lui tirer dessus, et ça c'est un petit peu chiant quand même. En plus, Monstro's Lung contre Monstro, hein, bizarrement. Bon après, c'est vrai que j'ai une famille sur la tête aussi, c'est pas mal. Oh la vache, c'est tellement zarb quoi. Vas-y, prends-toi bien la flamme, mais oui putain la flamme. Ah merde. Ils peuvent pas s'entretuer aussi, c'est chiant ça. J'aurais bien aimé quoi. Yes, la mouche. La BBF. Marche bien celle-là. J'aurais bien en tuer un, putain. Juste un. Allez. Oh la vache. Mais pourquoi des fois ça tire pas? Je charge vraiment lentement quoi. Je fais pas tant de dégâts que ça en plus. Si encore ça one-shot et tout, bon, ok. Mais là, non. Je l'ai bien raté lui en plus. Non. Non plus. Ah. Bon, ça va, la mouche, c'est bon, c'est la mienne. Ok, j'en ai tué un. Ah, mais remarque, je suis Lord of the Flies. Est-ce qu'elles peuvent. D'accord. Ah, ça m'a pas fait recharger le truc, c'est vrai. Cube of Meat. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, ça? Remarque. Ah putain, merde. Remarque, je dirais que oui, s'il faudrait pas que je meure par contre. Je dirais que oui, parce qu'on va le reroll en fait. Donc on va carrément le prendre. Parce qu'il va finir par être reroll avec le D4. Donc il y aura pas de soucis à ce niveau-là. Du coup. Bah du coup autant prendre... non remarque, autant attendre de voir ce qu'il y a dans l'étage suivant. On avisera à Sheol. Voilà, hein, c'est ce qu'on fait tous dans la vie. Hein. On attend d'être en enfer pour aviser de la situation. Alors Sheol, donc, c'est quoi l'item? Et là je suis super rapide, c'est trop zarb. Attends, mais j'ai quoi comme item pour changer mes stats là? C'est quoi ce délire? Ah mais j'ai Zodiac en fait. Oh putain, merde. Ok. HP up. En fait, le HP up, j'ai bien envie de le laisser là, à limite. Pour le prendre après le D4. Donc, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans déjà. Il y a des bons. Il y a des items tout à fait potables, hein, mais. Oh putain. Avec un run aussi bizarre, je sais pas trop si c'est jouable en fait. Putain, mais les mecs, laissez-moi sortir! Oh là là. Bon, remarque! Attends, il y a des bombes là. Voilà. Donc remarque, disais-je, m'a fait dropper 5 pièces ce con. Donc on va carrément acheter la clé. Je sais pas si c'était pas déjà fait. Non, c'était pas déjà fait. C'est Scorpio ça. Ah, c'est Virgo. C'est pas si mal, hein. Virgo, ça veut dire que toutes les pilules sont positives maintenant. Est-ce que ça vaut le coup? C'est un run bizarre, hein, quand même. Hein. Là, je suis d'accord. Hein. Fou lolo. Le mieux, je pense, déjà, c'est de prendre ce cœur, voilà. Et puis, essayer la vague. Hein. Est-ce qu'elle est toujours violette, la flamme? Ouais. On va charger le D4, hein, écoutez. Oh putain, j'ai même pas tiré, tellement ça met du temps à charger, quoi. Allez, hop, D4, on change. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Voilà, ça... Oh putain. Alors, ça me plaît, à un détail près. Oh la vache. Le détail, c'est que j'ai l'aimant qui attire les mobs.
Alors ça me plaît beaucoup par contre, parce que je fais des dégâts, je tire vite et tout, c'est cool. Et puis c'est le bordel surtout. Alors après, mes tirs se divisent aussi, je sais pas trop ce que j'ai en fait là, mais... Ah ok, d'accord. Ah merde. Par contre, je suis lent. Oh là 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 là. Puis en plus, je vais mourir. Accessoirement. Putain, en plus. Ah. Je sens la mort arriver là. Ah, j'ai eu une vie, tiens. Je sais pas comment ni pourquoi. Oh putain, des mouches. Ah. Ah mais non, attends, c'est vrai, j'ai ce machin sur la tête là. Ça, ça veut dire... Ah mais j'ai guillotine en fait. D'accord. Pouh lolo. Ce machin sur la tête, ça veut dire que je suis immune à je sais plus quoi. Mes bombes sur la tête chercheuse. Ah, j'ai The Sun. Je peux voir la map. Youhou. Pertro, par contre, c'est cool. D'ailleurs, j'avais pas laissé des trucs. Mais si, justement. On va prendre ça carrément. On va pas reroll en fait. Et ça, il y avait quoi là-dedans? On ne sait plus, d'accord. J'ai des bombes d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Yeah. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on D4 encore? Parce que c'est. C'est assez zarbe comme run, mais ça me plaît. Hein. Honnêtement. On va prendre ça. Non, ça, je suis déjà assez lent, franchement. Ah, je peux faire Pertro. Remarque, il y a trois trucs là quand même. Donc, Pertro. Boîte de Pandore, ça va pas être terrible. Je pense. Je crois qu'à Sheol, ça fait quoi? Quoi que ça peut être. Je sais plus ce que ça fait, donc dans le doute, on va la prendre. Ça fait spawner 4 cœurs gris. Bah, je crois que c'est exactement ce qu'il me fallait en fait. Hein. On va garder le D4 dans le doute, mais là je pense que le run il est jouable quoi. Il est jouable, puis en plus il est fun quoi. Parce que c'est n'importe quoi. Ah, est-ce que j'aurais pas un truc. Oh merde, par contre contre Krampus c'est pas terrible. Ça c'est le bordel. Comment je vais faire? Comment est-ce que ça va être contre Ultra Grid? Oh là là. C'est quoi cette rune aussi là? Agalaz, d'accord. Alors attends, j'ai 15 pièces. Est-ce que je peux acheter un truc sympa? Y a pas grand chose de sympa là. Ce BFF sert pas à grand chose là, donc. Ah, j'ai Abel, tiens, j'avais pas fait gaffe. Attends, j'ai quoi précisément en fait? Ouais, de toute façon, c'est à peu près ça. Hein. Je crois, ouais, le chapeau en forme de crâne là. Le crâne que je porte sur la tête. Je crois que ça me protège. Ça doit être des explosions, hein, je pense. Ah bah tiens, d'ailleurs, en parlant d'explosions, maintenant que j'ai des bombes, mourez. Voilà, nickel. Bah je vais acheter cette pilule, qui n'est plus négative, je sais plus. Bah écoute, tears up. Hein. Je vais reprendre ma rune. Qui est pas terrible non plus, en fait. On va carrément aller dans la Curse Room. Ah bah... Ok. Ah d'accord, oui, les bombes, ça marche aussi sur les bombes, d'accord. Ok. The Devil, bah ça sera beaucoup mieux. Allez, vague du deal. C'est Ultra Pride avec deux fois slot. Et j'ai des trips magnétiques, c'est cool hein. D'accord, j'ai pas eu le temps de réagir, il est mort. Bon. Bah là je crois qu'il n'y a pas trop à chier hein. Dans le doute on prend tout hein. Le pacte. Donc damage up tears up, je tire super vite. Je suis sûr. En fait, je suis content de ce run. Franchement, on va garder ça. Est-ce que j'ai pas un. Y'a pas un actif là? Non. Hein. Prochain étage, c'est le shop. Donc, on va certainement acheter un truc. Hein. Parce qu'il faut remplacer le D4 pour pas que je l'utilise. Je garde ce run. YOLO, quoi. Alors, le shop du shop. Cœur gris déjà. Y'a pas de machine? Putain, y'a jamais de machine. C'est chiant. Je veux quand même ce coffre. Pas facile de savoir où je suis même en fait. Et la Steam Sale. Bah écoute, tu tombes pas trop mal. Alors attends, deux secondes. On va juste péter tout ce qu'on peut. Ok. Spelunker Hat ne sert strictement à rien en grid. Donc si on peut éviter de prendre ça, hein, c'est... On va plutôt prendre ça du coup. Alors il y a deux fois la même. Health up. Ah pourquoi pas. Alors attends, health up, ouais. Health up. Curse of the Maze. Bon, c'est pas un problème. Et Bad Trip, ça, c'est un peu plus chiant. Mais c'est vrai que j'ai My Shadow, donc au moins j'en profite un peu. Ah merde, par contre,
Je crois que j'ai changé de tête depuis que j'ai pris un cœur là, je... Je suis pas sûr. du coup, autant prendre ça aussi, le matchbook. Oh putain! Alors par contre, la bombe dorée, ça c'est intéressant parce que quand même... On va... Ah non, j'ai plus que 6 pièces, merde. Merde, c'est vrai que je vole, putain, le con. Enfin, j'ai la guillotine en fait, c'est super chiant surtout. Ok, bon, bah on va aller se faire l'étage. Hein. Ça va être le bordel total. Ah, je fire quand je me fais toucher aussi. Regardez-moi ça. En fait, il suffit que je tire au milieu, quoi, c'est tout. Hein. Parce qu'ils vont tous se retrouver au milieu, quoi, tout simplement. Allez, les masques, allez. Enfin, non pas les masques, justement, les cœurs. C'est quoi cette rune, putain? Je veux la rune! Donnez-moi la rune. Gera, ouh. Est-ce que ça peut être utile, ça? Parce qu'en grid mode, ça change tout. Hein. Une rune Gera, c'est génial en temps normal. En grid, ça n'a rien à voir. Là, j'aimerais bien avoir un deal pour devenir Guppy, en fait. Ça serait génial. Même si je crois que je suis Guppy, en fait. Maintenant que j'y pense, il y a des mouches qui se génèrent, là. Je sais pas. Je suis peut-être Guppy. Peut-être. Sûrement, même, en fait, vu la quantité de mouches. Ok, attends, stop. L'étage, il est fini. Ça, c'est quoi? Agalaz. Ça ne sert à rien. Bah attends, c'est quoi? Avant de prendre les pièces, on va les... Ouais, on va carrément utiliser Gera, donc... On va doubler les pièces. Quelques pièces que j'ai laissées, surtout. Quoi. J'en ai 26, ok. Alors 26, j'achète ça. Lol, j'achète carrément ça, ouais. Ouh, Mr. Dolly, c'est bien ça. Encore du tears up, hein, d'ailleurs. Oh la vache. Ouais, j'ai bien envie que ce soit le bordel, donc voilà. The Devil, mais oui, c'est vrai que j'ai ça, moi. Carstroom, je suis allé ou pas? Merde, je sais plus. On va y retourner dans le dos. Ah non, j'y étais pas allé. Bon, ça servait à rien. Allez, hop. Le boss. Ou le deal, je sais plus. Non, c'est le boss. On se calme. La vache, j'aime bien ce run. Hein. Pour une fois que l'aimant peut marcher, hein. Enfin, il suffit d'avoir un run cheaté à côté, puis voilà. Pour que ce soit bien fun. Ah mais attends, du coup j'ai le casque sur la tête, je l'ai toujours. Du coup je crains pas les vagues de trucs là. C'est cool ça. Alors attends, avec 15 pièces, je peux peut-être acheter un truc. Ouais voilà, genre ça. Je tire pas assez vite encore, hein, comprenez. Ok, bon ben... Le deal. Oh putain. Il y a tellement de runes. Il reste quoi là? Ah, il reste ça, d'accord, ouais. Bah, meurs, hein, je sais pas. Crève, voilà. C'est bon, t'es mort, ok. On se calme. Alors, Agalaz, Agalaz et Waz. Bah, ça sert à rien, ça. Ouais, voilà, ça fait juste une trappe. On va aller voir ce que c'est que le deal. Oh! Bah, je suis déjà gubé, non? Il me semble, hein, de toute façon, je... Bah, de toute façon, écoutez, le Guppy Z, ça sera meilleur que le D4, hein, de toute façon, là, donc voilà. Bon, bah, on se casse. Il y avait rien d'intéressant au shop, donc. Ouais, puis merde, voilà, c'est bon, hein. On aura besoin de rien, je pense. Enfin, j'espère, parce que là, le run, le combat, ça va être n'importe quoi, franchement. Regardez-moi ça, quoi. Petit avant-goût de ce qui va se passer, quoi. Oh là là. Là, je fais des dégâts de malade, quand même. Oh, j'ai ça en plus. Dommage que je peux pas prendre les deux, putain. Non, vous savez quoi, on va jouer sur l'offensif. parce que on est Maggie, hein, je veux dire, ça va tellement bien avec le perso en plus. D'avant, exactement. Alors, ouais, vas-y, essaye de bouger, fais des trucs, je t'en prie, grid, y a pas de problème. Hein, allez-y les mouches, y a pas de problème non plus. Hein. Ah merde, par contre j'attire toutes les pièces. Ah c'est fun, hein. Oh là là. Le truc le plus chiant en fait, c'est que quand je suis au bord d'une salle, quand je suis contre un mur, des fois avec guillotine, ma tête sort de la salle, du coup je tire dans le mur, et ça c'est chiant. Mais c'est le seul point négatif là. Hein. J'adore, hein. J'adore ce fight, il se passe tellement bien, putain. Je sais même pas ce que c'est l'item qui m'a donné la 10ème vie en fait. Peut-être le one-up bêtement en fait. Ou alors ça se trouve j'ai Judas Shadow depuis le début et...
Bon bah voilà, on est à la moitié du fight. En gros, hein. Non, parce que ce fight il pose aucun problème, hein, sans déconner. Ouais, bon bah pareil, hein, voilà. Dès que je l'ouvre, hein, c'est hallucinant quoi. Toujours, putain. Stop quoi. Alors par contre, apparemment, tu ne génères des mouches que quand il est comme ça en fait. Hein. Ou alors j'ai pas du tout. Est-ce que je suis guppy? J'en sais rien. Ah putain, merde, avec tout ça, ça va être drôle. Oh là là. Ouais, bah venez tous au milieu, voilà. Hein. Non, 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 pas toi. Toi, tu restes dans ta chambre. Oh. Ne pas crever maintenant, hein, surtout, ça serait con. Ouais, maintenant que je l'ai dit, surtout. Tiens, mange-toi tes bombes dans ton anus. Allez. Wow, 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 on se calme. Bon, de toute façon, il est presque mort. J'ai envie de dire, il reste plus qu'une pichenette, quoi. Plus qu'un petit... Oh, merde. Non, 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 non. Bon, bah, venez tous, hein, écoutez, venez tous mourir, hein, y a pas de souci. Faites-moi des mouches. Les bombes, allez là-bas, voilà. Et voilà, c'est gagné, fini, total, truc, machin, bidule et grosse bite, voilà. Bon, bah, 9 pièces à mettre dans la machine, ça sert plus à rien, mais on va le faire quand même. Parce que c'est le swag des ténèbres. Voilà, 94 pièces, c'est nickel. Et on a fini, gagné, voilà, prout. Bah vive le D4, hein. Franchement, c'était mal barré, quoi. Je suis sûr que vous l'aviez tous vu perdu, celui-là. Hein. Eh ben non. Bon, bah en tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, parce que moi, il m'a plu. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain. On fera tout sauf un grid mode, voilà. Donc, salut à tous, portez-vous bien et jouez Noël, bitches!